J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons préparer la queue de bœuf. Je vais vous montrer les ingrédients. Là, nous avons notre poireau, le persil, le ginger, 4 tomates que nous allons découper, notre bouillon, notre ail, et voilà la queue de bœuf, et ça va s'accompagner avec du plantain vert. Maintenant, je veux passer au nettoyage de ma viande. Voilà, je suis en train d'enlever toutes les mauvaises graisses parce que la graisse n'est pas trop bien. Je nettoie tout, j'enlève tout ce qui est graisse. Maintenant que j'ai fini de nettoyer ma viande, je veux un peu mariner avec du sel. Je marine comme ça là avec du sel, je tourne avec les mains. Et je relave. Puis maintenant que j'ai fini de nettoyer ma queue de bœuf, je veux la mettre au feu. Voilà, je mets comme ça. Quant à mon oignon, je coupe comme ça. Ça dépend, hein. Vous coupez comme vous voulez parce que ça va mettre long au feu. Donc, vous pouvez couper comme ceci. Et quant à vos tomates, quand vous achetez la tomate, il faut qu'elle soit bien mûre et tendre. Parce que quand c'est dur, ça ne peut pas s'émietter. Parce que ça, là, ça serait la... Ça va se fondre et ça deviendrait la sauce. Vous pouvez me couper en deux. Hein, parce que là, regardez comment moi je coupe. Je coupe bien grand. Maintenant que j'ai fini de couper tous mes condiments, mes légumes, voilà ça dans la marmite. Je vais ajouter l'eau, du sel et le reste de condiments, je le mettrai après. Le reste de condiments, comme je vous dis, c'est le ginger écrasé plus ail. Et quand vous posez votre marmite au feu, faut mettre avec le bouillon une fois. La cuisson serait 2 heures de temps. Et tout doit être en bas. On doit remplir beaucoup d'eau dans notre casserole. De temps en temps, je viens vérifier si l'eau a baissé. Et si ça a baissé, il faut réajouter l'eau. Donc, je vais ajouter comme ceci. Voilà, notre viande est en bas. Voilà, les amis, regardez la quantité d'eau, les légumes nagent, ça nage en haut. Je veux maintenant allumer le feu. Maintenant, nous allons regarder à quoi ressemble notre repas. Nous allons ouvrir. Waouh! Voilà à quoi ressemble notre repas. C'est en train de mijoter. Voilà à quoi ça ressemble. Maintenant, je veux mettre les condiments en dernière position pour garder son parfum. Voilà les condiments écrasés. Dans 5 ou 10 minutes, j'arrête le feu le temps que le petit condiment s'y garde son parfum. Waouh, ça sent déjà bon si vous étiez là. Et on va refermer notre casserole. On attend 10 minutes. Maintenant qu'on est arrivé à la fin de notre cuisine, nous allons dresser notre plat. Je mets ça de côté. Je prends mon plat. Ah, je veux d'abord éteindre le feu.
prend ma cuillère. Passe au dressage. Voilà à quoi ressemble notre plat, notre bouillon avec du plantain. Voilà notre bouillon. Je n'ai pas mis d'huile. Tu vous savez que la queue de bœuf est gras. Donc voilà quoi. Nous sommes arrivés à la fin. Merci si vous avez aimé ma vidéo et ma cuisine. N'hésitez pas à liker, de vous abonner et de partager et de commenter. Si, abonnez-vous, c'est totalement gratuit. Imaginez-vous que c'était payant. C'est, ça allait être hallucinant si vous êtes à table. Je vous souhaite bon appétit. Bon appétit à tous pour un prochain numéro.